évidemment. C'est quand je suis en pleine création qu'on me dérange. Oh! Mais qui es-tu donc, adorable Lapinou? Ah! Raconte-moi, qui es-tu? Que veux-tu? Tu veux me prendre tout ce que j'ai ici? Et comment je fais pour finir mon magnifique tableau? Oh, quelle belle surprise! Tu es très mystérieux, Lapinou. Mais tu peux emporter tout ce que tu veux. Attention, il y a une condition. Surprise à tout le monde. Surprendre tout le monde. Bon appétit. Miam. Reste ici, mon petit chéri. Je t'ai... Oh, tu es revenu? Regarde comme il est joli, ce petit. Mon tout petit bébé plein d'énergie. Oh, qu'est-ce que vous faites? De la pâte à gâteau? Oh, cette belle pâte a besoin d'être pétrie. Oh! S'il te plaît, je sais très bien pétrir. Donne-la-moi. Des confitures. J'arrive à faire. Et hop. Bon. Tu as vu ça? Doucement. C'est bon. Il manque quelque chose. Peut-être un peu de sel. Ça va, mes oreilles sont ok. Attends, laisse-moi t'aider. Pour faire de la bonne confiture, il faut savoir s'organiser. Toi, là-bas. Le choix des ingrédients est dur. Il ne faut pas se tromper. Prendre les produits du jardin. Tomates rouges, pommes de pin. Mélanger le tout dans un pot. Regardez ça comme c'est beau. N'arrêtons pas en si bon chemin. Ajoutons 2 ou 3 choses. La saveur d'un plat souvent rien. Des surprises que l'on ose. Là, je fais mijoter le tout. Et je mélange la mixture. Faut du travail et du goût pour faire une bonne confiture. Tiens. Vas-y, goûte. Et maintenant, je marche sur la lune. Et oh, la lune appelle la Terre. Jour de pêche. Drôlement jolis tes vers de terre. Ils se tortillent dans tous les sens. Oh! Oh! Mishka, est-ce que ça mord? Et toi, tu as quelque chose? Quand est-ce qu'on aura un poisson? Pourquoi ça mord pas? Et ils mordent fort les poissons? Et quand est-ce qu'ils vont mordre? Comment ça se fait que les poissons ils mordent pas? Comment ça se fait que les poissons ils mordent pas? Quand est-ce que ça mord? Mon bouchon, il bouge! Regarde Mishka, tu crois qu'il y a un poisson? Si un jour tu vois un poisson d'or arriver brusquement dans tes mains, dis-toi que la vie cache des trésors, qu'un miracle n'arrive jamais pour rien. Le poisson d'or viendra pour exaucer tout ce dont tu as toujours rêvé. Ne garde pas tous ces désirs pour toi-même, mais partage avec les gens que tu aimes. Le poisson d'or viendra réaliser tout ce que tu peux imaginer. L'imaginaire ne vaut vraiment la peine qu'en habitant tous les gens que tu aimes. Encore loin. Maintenant, il est temps de s'occuper de toi. Gâché. Mais regardez quelle belle récolte nous avons. Oups. Non, je ne dois pas espérer un miracle.